Bonjour à toutes et tous, c'est Thomas de chez DefiTech. Aujourd'hui, une vidéo consacrée à l'un des électroménagers les plus importants dans votre cuisine équipée, le lave-vaisselle. Nous allons distinguer trois types de lave-vaisselle, le lave-vaisselle pose libre, le lave-vaisselle intégrable et le lave-vaisselle full intégrable. Je vais également vous expliquer les différentes nouveautés dans ce domaine. Tout d'abord, le lave-vaisselle pose libre. Le lave-vaisselle pose libre est un appareil comme ceci, qui est posé dans votre cuisine, qui est en inox, qui est en blanc, qui ne nécessite pas de montage spécifique dans votre cuisine équipée, qui par exemple peut être posé ou simplement glissé entre deux meubles. Le lave-vaisselle full encastrable est également intégré à votre cuisine équipée avec une emporte en bois complète et les commandes se trouvent sur la tranche supérieure de votre lave-vaisselle. Sur tous nos lave-vaisselles, vous allez retrouver une fiche signalétique qui indique la consommation énergétique, la consommation d'eau, la catégorie de séchage, le nombre de couverts ou de convives et les décibels, le bruit de votre lave-vaisselle. Ici, nous sommes sur un lave-vaisselle Siemens à triple plus, à 214 kWh à l'année, 14 convives, 14 couverts, un très grand lave-vaisselle et seulement 42 décibels. Alors, les nouveautés dans ce domaine, vous avez bien évidemment, comme chez Miele, un tiroir à couverts. C'est disponible maintenant dans plusieurs marques. Cela vous permet d'arranger vos couverts au-dessus et de libérer de la place en dessous. La plupart des lave-vaisselles ont également un rangement supplémentaire avec des picots qui peuvent s'abaisser pour par exemple poser vos casseroles dans le fond du lave-vaisselle. La plupart des appareils possèdent également un panier supérieur qui se relève ou qui s'abaisse très facilement. Une nouveauté très intéressante dans les lave-vaisselles, c'est situé dans le fond à droite, la zéolite. La zéolite est un minéral qui absorbe l'humidité du lave-vaisselle pour la transformer en énergie. Ça rend le lave-vaisselle beaucoup plus économique et améliore le séchage. Dans les nouveautés, vous avez également la consommation d'eau. Certains lave-vaisselles en programme économique descendent jusqu'à 6 litres d'eau et même jusqu'à 39 décibels, donc vraiment vous ne l'entendez quasiment pas. Le nouveau programme automatique 45-65 est extrêmement pratique. Le lave-vaisselle analyse le taux de salissure de l'eau et selon ce taux de salissure, il va laver entre 45 ou 65 degrés. Ce qui fait que vous pouvez mettre dans votre lave-vaisselle vos assiettes, vos casseroles, vos verres. Il va lui-même choisir sa température. Nous avons des lave-vaisselles avec finition inox sans trace de doigts. Nous avons également Miele qui est une très grande marque en lave-vaisselle. Le tiroir à couvert de chez Miele 3D permet de passer d'un côté ou de l'autre et de très facilement faire passer les pieds de vos verres à vin. Extrêmement ingénieux. Le réglage en hauteur du panier supérieur est également très facile. Beaucoup d'espace disponible dans le panier inférieur. Une très belle nouveauté également dans les lave-vaisselle, un lave-vaisselle pose libre, inox, écran display et commande du lave-vaisselle sur le dessus. Découvrez également les nouvelles lumières dans le lave-vaisselle qui sont vraiment très agréables. Pour laver vos couverts dans votre lave-vaisselle, deux solutions existent. Tout d'abord, nous l'avons vu ensemble chez Bosch, Siemens, Neff, Miele et bien d'autres, Whirlpool, Bocnet, le tiroir à couverts bien évidemment. Il existe toujours, et c'est toujours très pratique, le panier à couverts qui se place dans le fond du lave-vaisselle, comme ici. Nous sommes devant les lave-vaisselles intégrées. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, les lave-vaisselles intégrées sont avec un tableau de commande et vous avez une porte en bois. Et nous réintégrons bien évidemment votre porte de cuisine sur votre nouveau lave-vaisselle. Ici, un lave-vaisselle Siemens avec un tiroir à couvert. Pour les lave-vaisselles full intégrées, nous l'avons ici exposé dans son environnement, la cuisine équipée. Comme vous pouvez le voir, la porte est complète et les commandes de l'appareil se situent au-dessus. Pour de nombreux appareils, il existe également une infolight ou alors une timelight, c'est-à-dire une diode ou le temps qui s'affiche sur le sol pour vous indiquer où en est le lave-vaisselle. Pour tous ces appareils, je vous invite à passer nous voir en magasin, demander conseil à nos vendeurs ou de les commander directement sur notre webshop. À bientôt.